Bientôt, nous allons accueillir dans cet hémicycle notre invité d'honneur, accompagné d'autres hôtes de marque. Et je vous prierai de les accueillir chaleureusement au moment où ils s'avancent vers les sièges et les places qui leur ont été préparées. Et nous allons tous rester debout quelques minutes pour chanter ensemble l'hymne national. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas très familiers avec le texte, nous serons accompagnés par ces jeunes chanteurs de l'Académie musicale de Nyundo. Merci beaucoup. Voilà nos invités et l'invité d'honneur qui entre dans la salle. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment pour chanter l'hymne national de la République du Rwanda. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Rwanda, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, et président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire,
Monsieur le Président du Sénat du Rwanda, Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l'APF, les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs représentants les institutions étatiques en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs distingués invités, Mesdames et Messieurs représentants de la presse nationale et internationale, bonjour. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Innocent Nkurunziza. Je suis sénateur, membre du Parlement du Rwanda et je suis membre de la Commission du Sénat pour les affaires sociales et des droits de l'homme. Et ce matin, j'ai l'insigne honneur d'être à votre service en assumant la fonction de maître de cérémonie. Et c'est à l'occasion de l'ouverture solennelle de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui nous réunit. Et bienvenue à vous tous dans ce prestigieux hémicycle du Centre de convention de Kigali. Comme on dit ici, au Rwanda et dans la langue Kinyarwanda, Murakaza neza. Mesdames et messieurs les élus, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, aujourd'hui à Kigali, vous faites résonner cette phrase de Léopold Sédar Senghor quand il a dit, et je cite, « Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernements à aller de l'avant. » Fin de citation. Et compte tenu des prévisions de l'agenda de ces assises, je peux affirmer sans risque de me tromper que vous aurez l'occasion de débattre et d'échanger sur des sujets d'intérêt commun en rapport avec les aspirations et au bien-être des populations de cet espace ayant le français en partage. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons passer au grand moment de notre cérémonie. Et durant cette cérémonie sont prévues trois interventions, à savoir l'intervention de Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, l'intervention du Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et enfin le discours d'ouverture de Son Excellence le Premier ministre de la République du Rwanda. Son Excellence Madame Donatira Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés, cela va sans dire que c'est vous qui avez invité vos homologues parlementaires à ce rendez-vous historique. Et c'est sur cette note que je voudrais vous inviter, Madame la Présidente, à prendre la parole pour vous adresser à eux ainsi qu'à l'Assemblée ici présente. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Sénat du Rwanda, Excellence, Monsieur le Premier ministre et invité d'honneur, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Excellences, Messieurs et Mesdames les Présidents d'Assemblée nationale,
honorable vice-président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs participants, bonjour. C'est avec une joie immense, un grand plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous souhaite la bienvenue au pays des mille collines, au nom du Parlement du Rwanda et à mon nom propre. Murakaza neza. Le mot vous est familier, n'est-ce pas? Permettez-moi de remercier tout d'abord Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui aurait bien voulu rehausser de sa présence cette cérémonie d'ouverture officielle de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais dû au calendrier très chargé et aux lourdes tâches qui lui incombent, a délégué Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je saisis cette opportunité pour vous remercier, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir pu vous joindre à nous aujourd'hui. Veuillez accepter notre sincère gratitude. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence en cette session et remercier plus particulièrement vous qui avez choisi d'entreprendre de longs voyages pour converger à Kigali. Ceci témoigne de votre engagement de faire de notre Assemblée une institution vibrante et dynamique. Je salue le secrétariat général de l'APF pour son excellent travail dans la préparation et le déroulement de cette session, et je tiens à remercier également tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé d'arrache-pied pour que cette session se déroule dans les bonnes conditions. À vous, chers participants, votre présence à Kigali, ainsi que votre contribution aux différents débats et au bon déroulement de cette réunion dans la richesse de notre diversité, sont d'une importance inestimable. Je me réjouis de la petite bouffée d'air que la pandémie nous a accordée, nous permettant de rétablir le contact humain qui, à mon avis, importe beaucoup plus que les écrans de nos ordinateurs. Cependant, ne baissons pas la garde et continuons à respecter les gestes barrières, parfois désagréables et contraignantes, afin de vaincre définitivement cette pandémie. Excellences, honorables mesdames et messieurs, distingués participants, avant de continuer avec mon allocution, permettez-moi d'adresser mes félicitations à mon collègue, Son Excellence Adama Bitoko, pour sa récente élection à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à la tête de l'APF. Et par la même occasion, je vous ramène à la mémoire de feu notre cher Amadou Soumaoro, paix à son âme, qui marquera à jamais nos esprits par son dynamisme et son implication inlassable dans la quête d'une performance digne d'une organisation parlementaire comme l'APF. Excellences, honorables, mesdames et messieurs les participants, bien que nous procédons à l'ouverture solennelle de notre session seulement aujourd'hui, nous venons cependant de faire pratiquement 3 jours de travail intense au niveau du bureau de l'APF, dans les différentes commissions et dans les réseaux des femmes parlementaires et des jeunes parlementaires qui, je dirais, préparaient la matière pour la plénière que nous entamons dans quelques heures. Le choix du thème de débat général de cette session qui est la gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable, est un choix délibéré pour nous amener en tant que représentants du peuple à réfléchir et à échanger sur le rôle important que nous devons jouer dans la consolidation de la paix et de la stabilité au sein de notre espace commun. Ainsi donc, au-delà des questions d'ordre organisationnel, cette session constituera une plateforme privilégiée pour partager nos expériences en tant que représentants du peuple venant des différents horizons du monde en vue de répondre aux attentes de nos électeurs. À cet égard,
Nous remercions le secrétariat général de l'APF qui a bien voulu accorder à la section rwandaise l'opportunité de partager avec les autres participants sur la résilience du peuple rwandais et la transformation socio-économique du Rwanda au cours de ces 28 dernières années après le génocide perpétré contre les Tutsis. Excellences, mesdames et messieurs, honorables et chers collègues, tirons le maximum des 2 jours de notre séance plénière pour être le plus productif possible. Faisons entendre la voix des parlementaires sur les défis auxquels fait face l'espace francophone à travers les résolutions que nous allons prendre à l'issue de cette rencontre. Je reste convaincue que notre rencontre atteindra ses objectifs et portera ses fruits escomptés. Je ne saurais conclure mon allocution sans vous réitérer mes remerciements et vous souhaiter un séjour utile et agréable dans notre pays. N'hésitez surtout pas à explorer la ville de Kigali au cours de votre temps libre, ainsi que ses alentours, ou pourquoi pas d'autres endroits en dehors de Kigali, pour contempler la beauté de notre pays et goûter aux saveurs et aux valeurs de la culture rwandaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Chambre des députés, pour votre mot d'accueil et de bienvenue, et particulièrement ce rappel à la vigilance et au respect des consignes pour être protégés contre le COVID-19. Il est temps maintenant de passer à un autre moment de cette cérémonie. Il s'agit du moment d'accueillir le message de celui qui porte la voix de la francophonie parlementaire, M. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vais dire au Rwanda que c'est Big Togo. Big Togo. Merci, Madame la Présidente. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Rwanda, Monsieur le Président du Sénat de la République du Rwanda, Madame la Présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les Présidents des assemblées parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général parlementaire par intérim, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions étatiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec joie que je redécouvre à nouveau le Rwanda, pays des 1000 collines, et mille opportunités avec sa belle et coquette capitale, Kigali, en prenant part à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le premier que j'ai l'honneur de présider après notre Assemblée régionale Afrique des 23 et 26 juin 2022 à Rabat au Maroc. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, exprimer au nom du peuple ivoirien, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ainsi que de l'ensemble de la communauté francophone mondiale, mes sincères remerciements et toute ma gratitude au président de la République du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame, à son gouvernement et au vaillant peuple rwandais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Ma gratitude est d'autant plus grande que cette terre qui nous accueille est une terre d'histoire et de mémoire. Elle représente un symbole de résilience et de vitalité dont toute l'Afrique doit s'inspirer en matière de reconstruction post-conflit. En nous retrouvant ici, nous n'honorons pas simplement une exigence statutaire de notre institution,
mais louons le combat d'un peuple qui a su transcender ses adversités pour bâtir une société modèle, tant au plan politique qu'au plan économique et social, après plusieurs années d'épreuves. C'est en cela que je voudrais saluer avec vigueur le leadership éclairé de son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République, pour cette œuvre de reconstruction, de réconciliation et de cohésion nationale, dont le monde et particulièrement l'Afrique reste admiratif. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, ces actions remarquables dans le cadre de la reconstruction post-conflit et de la consolidation de la paix au Rwanda menées sous la houlette bienveillante de son Excellence, Monsieur Paul Kagame, m'amènent à me remémorer des efforts déployés par son homologue ivoirien, son Excellence, M. Alassane Ouattara. En effet, ils ont su impulser une dynamique de modernisation, de développement et de repositionnement de leurs pays respectifs au niveau de la scène internationale. Ce leadership commun est fort heureusement reconnu par leurs pairs de l'Union africaine qui leur ont confié la lourde mission de conduire la mise en œuvre des principales initiatives ainsi que des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, distingués invités, l'honneur me soit aujourd'hui, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et de président de l'APF, vous communiquer la position des parlementaires sur les thématiques qui vont meubler les travaux de cette 47e session. Mais avant tout propos, je voudrais inviter chacun de nous à avoir une pensée pieuse à l'endroit de mon prédécesseur, feu le président Amadou Soumaro, rappelé à Dieu le 7 mai 2022, que son âme repose en paix. Le soutien remarqué de la famille parlementaire de l'APF lors de ses obsèques témoigne de la réalité de la solidarité qui irrigue notre institution commune au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et de l'ensemble des parlementaires francophones. J'exprime ma gratitude à tous et à toutes pour cet élan de solidarité et de fraternité. Mesdames et messieurs, chers collègues, il y a de cela 3 ans que la Côte d'Ivoire accédait à la présidence de l'APF sous la houlette de feu le président Amadou Soumaoro. Cette présidence a malheureusement coïncidé avec la survenance de la pandémie de la COVID-19 qui a perturbé le fonctionnement normal de notre organisation. Cette situation inédite ne nous a pas permis de tenir efficacement nos travaux, empêchant ainsi d'atteindre les résultats escomptés. Mesdames et messieurs les parlementaires de l'APF, au-delà des difficultés susmentionnées, la Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à tous les pays francophones frères pour l'honneur et le choix porté sur notre pays aux fins d'assurer la présidence de l'APF. Pour ma part, je voudrais rassurer Monsieur le nouveau président de ma totale et entière disponibilité et de celle de toute la section ivoirienne à continuer de prendre toute notre place au sein de l'institution APF, dont l'une des vocations est de favoriser la coopération et de renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone, dont le respect du droit au développement. Chers collègues parlementaires, à cet instant précis de mon propos, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations à M. Bruno Fuchs, nouvellement désigné secrétaire général parlementaire de l'APF par intérim. Dans cette même veine, je voudrais féliciter et rendre un hommage à M. Jacques Cabral, anciennement secrétaire général parlementaire, pour son engagement en faveur du rayonnement de notre institution commune. Mesdames et messieurs, honorables et vénérables parlementaires, face aux nouveaux enjeux et défis mondiaux, que sont les questions liées au changement climatique, à la pauvreté, à la pandémie de la COVID-19, aux migrations avec leurs corollaires de drames au large de nos océans, la question du chômage des jeunes, la prise en compte des femmes dans les instances de décision, les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne, les crises institutionnelles et politiques, qui se traduisent par la dissolution d'institutions démocratiquement élues,
notamment les parlements qui sont par essence le lieu de l'expression plurielle de la démocratie. Face à ces enjeux, qui constituent de véritables défis pour nos États, et en particulier les parlements, il nous faut prendre des mesures législatives fortes, cohérentes, concrètes et parfaitement adaptées aux besoins de nos populations. Il nous faut donc promouvoir et mettre en œuvre un parlementarisme nouveau, un parlementarisme qui s'adapte aux exigences d'un monde de plus en plus complexe et dynamique. Notre organisation, dans une mutualisation de nos forces, doit être un espace plus ouvert à travers une meilleure liberté de circulation des biens et des personnes, en définissant un espace économique véritablement francophone. À cet égard, notre organisation doit être plus conquérante, entreprenante et flexible dans son engagement afin de maintenir la flamme du rêve francophone face à une jeunesse de plus en plus exigeante et ouverte sur le monde auquel nous devons passer le flambeau pour pérenniser nos cultures et la langue française. Chers collègues parlementaires francophones, il nous faut également démontrer que les principes et les valeurs qui fondent notre projet transcendent l'espace et le temps. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il convient de saluer la pertinence du thème du débat général de cette 47e session, Gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable. Vous conviendrez avec moi que ce thème nous interpelle tous et nous rappelle l'un des objectifs de notre institution, qui est celui de promouvoir la démocratie, l'état de droit et les droits de la personne, plus particulièrement au sein de la communauté francophone. Nos actions doivent s'appuyer sur notre statut de représentant des peuples, qui nous confère toute la légitimité et la légalité pour renforcer la démocratie dans nos États, à travers ses principaux piliers que sont le respect des droits de l'homme, l'état de droit, l'égalité des sexes, les élections libres et régulières et la séparation des pouvoirs. Plus que toutes les autres institutions, nous représentons la société dans toute sa diversité et sommes appelés à trouver un compromis entre des intérêts opposés et les espérances de la collectivité. Notre diversité, qui fait la richesse de la francophonie, doit nous conduire à conjuguer nos efforts pour faire face aux défis qui s'opposent à nos États. Dans cette perspective, nous, parlementaires, devons, dans une synergie d'action avec toutes les forces vives de nos États, mener des réflexions afin de proposer des solutions adaptées et durables aux nombreux obstacles qui se dressent contre le mieux-être de nos populations. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, la gouvernance démocratique est essentielle à la gestion des conflits. La gouvernance légitime et représentative, basée sur l'état de droit et respectant les droits fondamentaux des citoyens, constitue le moyen le plus efficace pour les sociétés de prévenir, gérer et se relever des conflits. Vous l'aurez bien compris, la consolidation de la paix dans toute société démocratique doit se faire à travers une mutualisation des efforts impliquant les parlements qui, de par leur rôle de vigie, doivent contrôler la reconstruction, légiférer sur les droits de l'homme et traiter les questions de sécurité en période post-conflit. Chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, je voudrais également profiter de l'opportunité que m'offrent ces assises pour aborder brièvement le thème du prochain sommet de la francophonie, connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Cette thématique d'actualité connaît depuis quelques années de nombreuses et rapides évolutions. En effet, l'Internet, les réseaux sociaux et plus globalement le numérique ont transformé nos habitudes et nos pratiques en matière d'information. La nécessité de réduire la fracture numérique et d'édifier une société dans laquelle l'information nous sera accessible en français est un impératif si nous voulons que l'accès équitable de l'information serve à des fins éducatives, économiques, sociales et culturelles.
Porteur d'opportunités, le numérique offre à nos différentes jeunesses un espace dédié permettant d'exprimer leur savoir-faire et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. C'est donc un levier important à notre disposition qui, s'il est utilisé à bon escient, et ce à différents niveaux, constituera sûrement un vecteur de développement solidaire au service de tous. C'est dans cet esprit qu'en novembre prochain, au sommet de la francophonie de Djerba, l'APF déposera un avis dans le cadre du grand débat sur le thème de la connectivité dans la diversité. C'est à travers cette vision novatrice, articulée autour de l'utilisation du numérique dans les activités parlementaires, que nous avons bâti un pan de notre action à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un axe majeur de cette action est la modernisation de l'institution à travers la promotion du e-parlement et la digitalisation pour plus d'efficacité de l'activité parlementaire. Distingués invités, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, au-delà de ces thèmes qui cristallisent nos travaux, l'institution APF devra se montrer toujours plus flexible afin de pouvoir s'adapter aux nouveaux enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés tout en conservant son identité. Au nombre de ces enjeux, on trouve les questions liées aux médiations interparlementaires, aux cadres stratégiques, aux nouveaux partenariats, à la participation aux grands débats géopolitiques contemporains, au corpus législatif. Ce sont autant de sujets essentiels, parmi tant d'autres, que cette 47e session se propose d'examiner collectivement. Au regard de l'importance des sujets, j'appelle de tous mes voeux un engagement plus accru relativement à la prise en compte de la question environnementale et climatique. Je salue d'ores et déjà l'initiative prise concernant l'organisation de notre table ronde parlementaire francophone spécifique en marge de la conférence des partis sur le climat, COP27, qui se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je dirais la CDB27. Distingués invités, honorables participants, mesdames et messieurs, l'année 2022 restera dans l'histoire de l'APF comme celle du 20e anniversaire de son réseau des femmes parlementaires. Je me réjouis donc que notre session soit centrée sur le rôle des femmes en politique. Et le Rwanda nous donne un meilleur exemple avec une femme élue présidente de la Chambre des députés et une représentativité remarquable de 61% de femmes parlementaires. S'agissant de la jeunesse, notre réseau des jeunes parlementaires, créé en 2018, a enfin pu tenir une réunion en présentiel en mai dernier. L'APF a à cœur de soutenir des dynamiques de dialogue et d'échange à travers la participation de la jeunesse qui constitue le fer de lance de notre organisation à la vie politique. C'est pourquoi, dans 3 semaines, l'événement emblématique du Parlement francophone des jeunes reprendra vie avec sa 9e édition à Tirana, en Albanie, capitale européenne de la jeunesse en 2022. Mesdames et messieurs, chers invités, dans notre marche pour une APF forte et ouverte sur le monde, nous devons mettre un point d'honneur au renforcement de notre partenariat avec les institutions qui partagent notre vision du parlementarisme et du développement, car tous nos projets prennent corps dans un écosystème riche, impliquant nombre de partenaires institutionnels et académiques. Ainsi, nous devons enrichir significativement notre collaboration avec l'Agence française de développement, l'Agence belge Enabel, l'Organisation mondiale du commerce, l'Association du notariat francophone, le Réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'Université Senghor d'Alexandrie, l'Université de Luxembourg, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou le Conseil mondial pour la tolérance et la paix, dont nous entendrons demain le président, M. Ahmad bin Mohamed Al-Jawan, dans le cadre de notre débat général. Mais il convient d'en dire davantage sur le partenaire privilégié, l'Organisation internationale de la francophonie, avec laquelle nous travaillons main dans la main au quotidien à tous les niveaux. C'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement et toute la détermination de Madame la Secrétaire Générale, Madame Louise Musikiwabo, pour tous les efforts consentis
en faveur d'une véritable famille francophone basée sur les efforts de solidarité et de recherche permanente de la paix. L'OIF est à la fois notre bailleur de fonds principal, mais aussi notre pendant émanant des gouvernements dans des missions de bons offices ou d'observation électorale conduites pour accompagner les pays en transition vers la démocratie ou engager une dynamique de réconciliation nationale. De ce point de vue, sous l'impulsion de Madame la Secrétaire générale, l'intrication entre l'OIF et l'APF s'est nettement consolidée et nous ne pouvons que nous en féliciter. Distingués invités, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, au moment de conclure, je voudrais une fois de plus renouveler l'expression de ma reconnaissance envers le président, son Excellence, M. Paul Kagame, le Parlement rwandais, ainsi que toutes les autorités rwandaises pour avoir rendu possible cette session et la visite mémorable que nous avons effectuée le mercredi dernier au mémorial du génocide de Kigali. Pour ma part, cette visite vient me renforcer sur les fondamentaux qui guident ma vie, mais au-delà qui doivent guider l'humanité tout entière et l'espace francophone, à savoir la tolérance, l'écoute, l'acceptation des différences, l'amour et l'humilité. C'est pourquoi je fonde l'espoir que de nos concertations naîtront des recommandations qui permettront de porter plus haut les valeurs de démocratie, de solidarité, d'état de droit, d'égalité des sexes et de développement durable partagé. À cet effet, je voudrais nous inviter à l'accélération du processus de révision de notre règlement intérieur pour une meilleure prise en compte des aspirations profondes de nos populations. Dans cette attente, je propose que les présidents des parlements soient de façon assidue et de façon conséquente présents aux assemblées annuelles représentées par la conférence des présidents pour permettre que les débats des sujets d'intérêt commun, que nous puissions ensemble faire face aux enjeux et défis nouveaux. Je reste convaincu qu'une bonne mise en œuvre de nos réflexions et recommandations contribuera à n'en point douter au renforcement de la participation de nos parlements respectifs et à la consolidation de notre institution. C'est sur ces notes d'espoir que je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de fructueux travaux, tout en vous remerciant pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'ai bien compris que ce n'est pas la première fois que vous êtes au Rwanda. Et surtout, merci pour la sollicitude exprimée envers le peuple rwandais et ses dirigeants. Et pour le reste, j'ai bien compris qu'il y a du pain sur la planche pour les assises de cette 47e session et que la francophonie est une famille avec de fortes perspectives d'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre cérémonie d'ouverture arrive enfin à son moment le plus solennel et j'ai l'honneur d'inviter l'Auguste Assemblée à suivre le discours de l'invité d'honneur, Son Excellence Dr Edouard Ngirente, Premier ministre du Rwanda. Excellence, très respectueusement, je vous invite à venir livrer votre message pour cette occasion. Monsieur le Président du Sénat du Rwanda, Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et Président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, cher Big Togo,
Mesdames et Messieurs les présidents d'Assemblée, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, distingués invités, bonjour. Vous me permettrez tout d'abord, au nom du président de la République du Rwanda, Son Excellence M. Paul Kagame, de vous transmettre ces chaleureuses et fraternelles salutations et vous souhaiter la cordiale bienvenue au Rwanda. Le président de la République aurait bien voulu être ici ce jour pour présider lui-même cette cérémonie, mais pour des raisons d'agenda, il n'a pas pu le faire. C'est donc un grand plaisir pour notre pays d'accueillir cette 47e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Je tiens à féliciter l'Assemblée parlementaire de la Francophonie pour le choix de notre pays pour abriter ces assises importantes pour notre organisation commune, la Francophonie. Je salue la bonne coopération qui a prévalu entre l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et le Parlement du Rwanda en vue de la tenue de cette rencontre dans de bonnes conditions. Excellences, messieurs et mesdames, honorables parlementaires, le thème de cette session, à savoir gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable, reflète la place centrale que doivent occuper les parlementaires dans les réflexions à l'échelle mondiale, en particulier notre espace francophone. Vous donnez donc là une occasion sincère de faire une autopsie à votre échelle de grandes problématiques qui s'opposent à la paix et fort opportunément dans un contexte mondial marqué par des conflits d'ampleur aux effets transnationaux potentiellement dévastateurs. C'est donc avec un grand intérêt que le Rwanda sera preneur des conclusions et recommandations que vous allez formuler, sans doute sur la contribution que les parlements, en particulier celui du Rwanda, pourront apporter dans ce contexte. Vous venez d'horizons géographiques et de contextes sociopolitiques divers. C'est un avantage certain de partage d'expériences, de bonnes pratiques et donc une occasion d'enrichissement mutuel. Ceci contribuera sans doute au maintien de la politique de bonne gouvernance dans notre espace francophone. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables parlementaires, la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 a eu un effet néfaste sur toute la vie sociale et économique de peuples du monde entier. Face à cette crise, il a fallu s'adapter à un nouveau contexte de gouvernance mondiale. La vigilance de nos dirigeants et la capacité de résilience de nos populations ont permis d'amortir en grande partie les chocs multidimensionnels de cette crise. En effet, la lutte contre la pandémie de COVID-19 nous a laissé plusieurs leçons. À titre illustratif, la pandémie a mis en exergue l'importance d'être plus proche de nos populations en vue d'une riposte participative. Nous avons donc encore une fois compris que nous devons demeurer étroitement aux côtés de nos populations et surtout les catégories les plus vulnérables dans nos sociétés. En outre, il est important de renforcer la collaboration entre les pouvoirs exécutifs et le Parlement en bonne intelligence pour faire ensemble front contre les maux
qui agitent le monde. Les parlementaires, en leur qualité de représentants du peuple, jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l'appropriation des politiques publiques par la population. Car les parlements sont un maillon fondamental et incontournable dans la bonne marche de nos pays. Ils sont les piliers et garants de l'état de droit et de la démocratie. Sans bonne gouvernance et les institutions solides et inclusives, nos efforts pour le développement et la paix durable seront vains. Par ailleurs, le monde est aujourd'hui également confronté à d'autres multiples défis, notamment des défis sécuritaires. Les menaces à la paix et à la sécurité collective n'ont jamais été aussi préoccupantes. Nous le savons tous, beaucoup de nos pays membres subissent quotidiennement des fléaux du terrorisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables parlementaires, pour le Rwanda, cette session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie arrive à point nommé. En effet, au début de cette semaine, nous avons célébré le 28e anniversaire de la journée de libération du Rwanda. Dans ce cadre, nous nous félicitons des progrès importants réalisés par notre pays au cours des 28 dernières années. L'unité et la réconciliation nationale ont servi de piliers importants dans l'instauration et la consolidation de la paix et la sécurité. Je me réjouis aussi de constater que dans ces travaux, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a ménagé un espace de parole et de réflexion en faveur de la jeunesse. Le Rwanda possède une population d'environ 13 millions d'habitants, composée majoritairement de jeunes. C'est un atout indéniable, comme ailleurs dans l'espace francophone. Nous devons impulser des politiques qui font de la jeunesse une force de développement. C'est pourquoi je voudrais insister sur la place importante des jeunes parlementaires dans la promotion des valeurs de la francophonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables parlementaires, pour conclure, je voudrais souligner encore une fois que la paix durable dont nous parlons ne peut être atteinte que si certaines conditions de la vie sociale de nos peuples sont réunies. Je peux citer, entre autres, la sécurité alimentaire, l'éducation et l'encadrement inclusif des jeunes, les systèmes de santé solides, avec à la base de tout cela les infrastructures appropriées. Je tiens également à réitérer la volonté et l'engagement du gouvernement rwandais à coopérer avec l'ensemble des États et des gouvernements membres en vue de promouvoir les valeurs fondamentales de notre organisation, la francophonie, pour atteindre nos objectifs communs, spécialement en matière de gouvernance mondiale et de la paix durable. Enfin, tout en vous souhaitant des échanges fructueux et une pleine réussite dans vos délibérations, au nom du président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, je déclare ouverte la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et vos mots seront gravés dans nos mémoires tout au long des travaux de cette session et seront de grande utilité pour tout le monde et surtout pour les peuples que nous représentons ici. Nous en arrivons à la conclusion et nous allons saluer la sortie de nos illustres hôtes. Mais j'ai deux annonces à passer. C'est que
une photo de famille est prévue à l'extérieur de cette salle. Le protocole va guider ceux devant faire partie de la photo, ils sont déjà informés, vers l'endroit prévu à cet effet. Et ensuite, les délégués qui vont participer à la suite des travaux de l'APF vont bien vouloir rester dans cette salle et des consignes nécessaires vont être données. Et enfin, nous tenons à remercier, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, nos membres de l'APF, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs des institutions, Mesdames et Messieurs les amis de la francophonie, pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie et dorénavant vous pouvez prendre congé pour vaquer aux autres obligations nombreuses qui vous attendent. Je vous remercie.